Bonjour. En nous rassemblant sous le voile silencieux de la nouvelle lune, nous accueillons un moment de renouveau profond et de possibilités infinies. La nouvelle lune, avec son ciel sombre et étoilé, nous rappelle que même dans l'obscurité, il existe une lumière d'espoir et un champ infini de rêves à cultiver. C'est dans ce sanctuaire de calme et de potentiel que nous invitons le symbole de notre voyage, le lièvre. À travers les âges et les cultures, le lièvre a dansé au carrefour du mystique et du manifeste, nous offrant ses enseignements et sa protection. Dans les traditions anciennes, le lièvre est vénéré non seulement pour sa vivacité et son agilité, mais aussi comme un être de passage, capable de naviguer entre les mondes, un messager des secrets cachés de l'univers. Sous la nouvelle lune, nous embrassons le lièvre comme notre guide spirituel. Avec lui, nous nous aventurons dans un voyage de découverte intérieure, de renouveau et de manifestation de nos intentions les plus sacrées. Laissez le lièvre, cet animal de passage, vous guider à travers les voiles de l'inconnu, vers un espace de création pure, où vos désirs les plus profonds peuvent prendre racine et fleurir. Ensemble, explorons les sentiers cachés et les clairières secrètes, où les graines de nos futures réalisations attendent d'être semées. Respirez profondément. Sentez la terre sous vous, stable et accueillante. Laissez le souffle de la vie vous remplir, vous élever. Alors que vous commencez à vous ouvrir aux possibilités infinies que cette nouvelle lune du lièvre apporte. Avec chaque respiration, imaginez que vous vous alignez davantage avec les énergies de renouveau et de création. Prêt à voyager sur les sentiers mystiques que le lièvre nous révélera. Trouvez une position confortable, assise ou allongée, permettant à votre corps de se relâcher totalement. Fermez les yeux. Et portez doucement votre attention sur votre respiration. Respirez lentement, inspirant par le nez, sentant l'air frais remplir vos poumons, et expirant par la bouche, libérant toute tension accumulée. Avec chaque expiration, imaginez que vous libérez les pensées persistantes, les soucis et les stress du quotidien. Laissez-les s'envoler, vous laissant de plus en plus léger et détendu. Commencez par focaliser votre attention sur les orteils. À chaque expiration, imaginez une sensation de détente qui se répand dans vos orteils, les libérant de toute tension ou lourdeur. Sentez-les devenir légers et totalement détendus. Remontez ensuite à vos pieds, en vous concentrant sur la voûte plantaire, le talon. Avec chaque souffle, libérez les sensations de fatigue, permettant à vos pieds de se relâcher complètement. Laissez cette vague de relaxation s'étendre à vos chevilles, puis monter progressivement le long de vos mollets et de vos genoux. Prenez le temps de respirer dans ces espaces, dissipant toute tension avec vos expirations. Continuez vers vos cuisses,
en libérant la pression accumulée dans ses muscles puissants. Imaginez que chaque expiration draine la fatigue et la raideur, vous laissant dans un état de détente totale. Portez ensuite votre attention sur votre bassin et vos hanches. Respirez dans ces zones, souvent un réservoir de stress. Et à chaque expiration, sentez-les se relâcher, s'ouvrir et se détendre. Concentrez-vous maintenant sur votre abdomen et votre dos. Laissez la respiration apaiser et détendre chaque muscle, chaque fibre de votre torse. Sentez le relâchement de toute tension dans votre dos, du bas vers le haut, jusqu'aux épaules, qui s'abaissent et se détendent, libérant le poids du monde. Dirigez votre attention vers vos bras, des épaules jusqu'aux doigts. Avec chaque respiration, sentez la détente qui se diffuse dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et jusqu'au bout de vos doigts, dissolvant toute tension résiduelle. Enfin, concentrez-vous sur votre cou, votre mâchoire, votre visage et le sommet de votre tête. Respirez profondément et à chaque expiration, libérez les expressions, la crispation et la tension. Sentez votre front s'élargir, vos yeux se détendre, votre mâchoire se relâcher. Imaginez que chaque expiration dissout les blocages et les raideurs, laissant chaque muscle de votre visage, de votre tête et finalement de votre cerveau se détendre complètement. Dans cet état de relaxation totale, vous êtes maintenant pleinement préparé à plonger dans les profondeurs de votre méditation, accueillant les énergies renouvelantes de la nouvelle lune et la guidance spirituelle du lièvre. Sentez la paix et le calme intérieur s'étendre en vous. Un espace tranquille où rien ne presse. Rien n'exige votre attention immédiate. Et puis visualisez une lumière douce et apaisante, semblable à la caresse de la lune, enveloppant votre être. Cette lumière représente l'énergie de la nouvelle lune, porteuse de renouveau et de possibilités. Elle vous entoure d'une aura de protection et de paix, vous préparant à recevoir les bénéfices de votre méditation. Prenez encore quelques respirations profondes dans cet état de détente complète, sachant que vous êtes maintenant prêt à entrer dans un espace méditatif profond, guidé par l'énergie renouvelante de la nouvelle lune et le symbole spirituel du lièvre. Je vous invite à présent à vous imaginer à la lisière d'une forêt, sous le voile de la nuit. La nouvelle lune, drapée d'argent, illumine le monde, transformant l'obscurité en un tableau de mystère et de magie. Autour de vous, les arbres et les plantes semblent doucement vibrer, pulsant avec la vie secrète de la forêt nocturne. Prenez un moment pour ressentir le sol sous vos pieds, la fraîcheur de l'air nocturne sur votre peau,
les sons subtils de la forêt qui vous entoure. Chaque respiration vous attire plus en avant dans cet espace de calme et de connexion. Alors que vous avancez lentement dans la forêt, votre regard est attiré par un mouvement à la lisière de votre vision. Vous vous arrêtez, regardant attentivement, et là, sous un faisceau de lumière lunaire, apparaît un lièvre. Son pelage brille d'un éclat doux, parce qu'il iridescent sous la lumière de la lune. Ses grands yeux vous observent avec curiosité et sagesse. Un miroir des profondeurs inexplorées de la nuit. Le lièvre n'est ni effrayé, ni inquiet de votre présence. Il y a une qualité presque surnaturelle en lui. Comme s'il était de ce monde, et pourtant pas tout à fait. Cet être magnifique, debout devant vous, est le gardien de secrets anciens, un guide à travers les mystères de la nouvelle lune. Il vous invite à le suivre, se détournant doucement avant de s'aventurer plus profondément dans la forêt. Avec chaque pas, sentez que vous vous éloignez davantage des préoccupations et des limites du monde matériel, marchant vers un lieu de sagesse et de révélation. Suivez ce lièvre à travers la forêt. Permettez à votre cœur de s'ouvrir aux messages et aux enseignements qu'il est venu partager avec vous. Cette rencontre n'est pas un hasard. C'est une invitation à explorer les territoires cachés de votre âme, guidé par l'esprit du lièvre, sous le voile mystique de la lune. Le lièvre emprunte un sentier sinueux à travers la forêt. Vous le suivez, comme un acte de foi et de découverte. Un voyage à travers les ombres et la lumière de votre propre être. La forêt autour de vous est dense, mais le lièvre connaît le chemin. Il vous conduit avec assurance, sa présence rassurante et sage à vos côtés. Le chemin que vous empruntez est bordé d'arbres anciens, leurs branches entrelacées formant une voûte au-dessus de votre tête. La lumière du croissant de lune filtre à travers la canopée, créant un motif de lumière et d'ombre qui danse sous vos pieds. L'air est rempli des sons de la nuit, le murmure du vent dans les feuilles, le lointain appel d'une chouette, le froissement discret d'un petit animal dans le sous-bois. Alors que vous avancez, permettez à vos sens de s'éveiller pleinement à l'expérience de cette promenade nocturne. Sentez la fraîcheur de l'air sur votre peau. Respirez les arômes de la terre et de la verdure. Marquez la sensation de chaque pas sur le sol, la texture des feuilles et des branches que vous effleurez du bout des doigts. Sur ce chemin, chaque élément de la forêt est un symbole, un miroir de votre propre voyage de vie. Les zones d'ombre représentent les défis et les incertitudes que vous avez rencontrés, tandis que les rayons de lumière symbolisent les moments de clarté et de compréhension. Suivre le lien à travers ce passage est une métaphore de votre propre passage et transformation. Un rappel que chaque expérience, qu'elle soit lumineuse ou sombre,
fait partie de votre cheminement vers la compréhension de soi. Laissez les sensations et les émotions de cette promenade mystique vous remplir. Peut-être ressentez-vous une montée d'espoir, un frisson d'anticipation pour les découvertes à venir. Peut-être y a-t-il un sentiment de libération, alors que vous vous permettez de lâcher prise des anciennes peurs et des vieux schémas, pour embrasser le potentiel de transformation que cette nuit magique détient. Suivant le lièvre, vous vous approchez de plus en plus du cœur de la forêt et du cœur de votre propre mystère. Arrivez-vous à recevoir les cadeaux de sagesse et d'illumination que cette nuit de nouvelle lune est prête à vous offrir. Guidé par l'esprit sage et bienveillant du lièvre, ainsi guidé par le lièvre à travers la forêt, vous vous retrouvez soudain à l'entrée d'une clairière, baigné dans la douce lumière d'une lune naissante. Devant vous se dévoile un sanctuaire mystique, son aura rappelant la majesté et la spiritualité profonde de l'ancienne Égypte. Franchissez le seuil de cette clairière sacrée avec un sentiment de révérence et d'émerveillement. Autour de vous, des lotus flottent sur les eaux calmes d'un petit bassin, leurs pétales s'ouvrant vers le ciel nocturne. Ces fleurs, emblèmes de pureté et de renaissance, capturent la lumière de la lune, créant un spectacle d'une beauté sereine. L'air est chargé du parfum riche et envoûtant de l'encens de myrrhe, un arôme qui éveille l'âme et élève l'esprit. Ce parfum ancien, utilisé dans les rituels et les cérémonies égyptiennes, tisse autour de vous un voile d'intimité sacrée, renforçant votre connexion à cet instant et à ce lieu magique. Le sanctuaire lui-même est disposé avec une intention délicate. Chaque élément, des pierres disposées en motifs sacrés ou tracées des étoiles reflétées dans le bassin, est un hommage à la sagesse et aux traditions de l'Égypte antique. Ces symboles et objets rituels, soigneusement sélectionnés, créent un pont entre les mondes, entre le passé et le présent, vous invitant à puiser dans la richesse d'une spiritualité millénaire. En vous tenant dans ce sanctuaire sous la nouvelle lune, entouré des échos d'une époque révolue et pourtant vibrante d'énergie, vous ressentez une connexion avec le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. La présence du lièvre à vos côtés, ce guide spirituel qui vous a mené jusqu'ici, vous rappelle que vous êtes sur le point de participer à un rituel de passage et de transformation. Un moment sacré où les voiles entre les mondes s'amincissent et où le potentiel pour un changement personnel est à son apogée. Dans cette clairière, sous la veille bienveillante de la nouvelle lune, vous êtes invité à laisser derrière vous les limitations du passé et à vous ouvrir aux infinies possibilités de l'avenir. Un temps pour la réflexion, pour la guérison et pour la célébration de la vie et de ses mystères. Guidé par la sagesse ancestrale du lièvre, les anciens rituels égyptiens. La tranquillité de la clairière sacrée,
Vous vous tenez prêt à commencer la cérémonie sous le voile protecteur de Nut, la déesse égyptienne du ciel étoilé. Avec respect, vous invoquez sa présence, demandant sa bénédiction pour ce nouveau cycle lunaire qui commence. L'air vibre avec l'énergie de votre appel, la lumière de la lune devenant plus brillante, plus présente. Si Nut elle-même répondait à votre invitation. Votre esprit se tourne ensuite vers le lièvre. Cet esprit guide qui vous a conduit à travers les mystères de la forêt jusqu'à ce lieu de pouvoir. Vous visualisez le lièvre se déplaçant avec aisance à travers un désert sous un ciel infini étoilé. Chaque étoile, un point de lumière dans le domaine de Nut. Ce voyage symbolise le courage de traverser les territoires inconnus, de rechercher la sagesse au-delà des limites du monde physique. Alors que vous réfléchissez à ce voyage, le hiéroglyphe du lièvre est évoqué dans votre esprit, un symbole puissant qui sert de pont entre les mondes. Ce signe ancien vous rappelle que, comme le lièvre, vous possédez la capacité de naviguer entre les réalités, d'explorer les royaumes de l'existence qui se situent au-delà du tangible. Les oreilles du lièvre, longues et attentives, deviennent un point de concentration pour votre méditation. Imaginez-les comme des antennes, réceptives aux murmures les plus subtils de la sagesse universelle. Ces murmures peuvent venir de l'au-delà, peut-être de votre propre intuition, vous guidant vers la vérité. Vous êtes invité à écouter, vraiment écouter, les signaux et les messages qui vous entourent, que ce soit dans le souffle du vent, le frémissement des feuilles, ou dans le silence entre les battements de votre cœur. Cette célébration sous le voile de Nut, accompagnée par le lièvre, devient un moment de connexion et de révélation. Vous vous ouvrez pleinement aux enseignements que cet esprit animal, honoré à travers les âges et les cultures, vous offre. Dans la clarté de cette nuit de nouvelle lune, entouré par les symboles et les échos de l'Égypte ancienne, vous trouvez un espace sacré pour l'écoute, pour la guérison et l'inspiration. Dans ce sanctuaire mystique, vous trouvez un carrefour sacré. C'est un lieu où le passé, riche de ses mythes et de ses mystères, s'entrelace avec le fil lumineux de votre présent, créant un tissu d'expérience et de révélation qui transcende le temps. Les symboles égyptiens qui vous entourent, en particulier ceux liés au lièvre, ne sont pas de simples ornements. Ce sont des clés qui ouvrent les portes des mondes intérieurs, des inviteurs silencieux à explorer les profondeurs de votre être. Alors que vous contemplez ces symboles, vous réalisez que leur vraie puissance réside dans leur capacité à éveiller en vous une réceptivité plus profonde. Ils vous rappellent que pour naviguer dans les territoires de l'esprit et de l'âme, vous devez être ouvert et attentif, prêt à accueillir les messages et les enseignements qui viennent à vous souvent de manière subtile et inattendue. En vous tenant dans ce sanctuaire, trouvez un moment pour écouter, pour ressentir,
pour être véritablement présent avec tout ce qui se révèle à vous. Laissez ce lieu être un seuil, un point de passage vers les mystères encore non découverts de votre propre essence. Avec chaque respiration, vous vous ouvrez davantage aux possibilités infinies que ce moment de communion entre le passé et le présent, entre le ciel et la terre, entre votre moi extérieur et votre vérité intérieure a à offrir. Embrassez cette opportunité de réflexion au seuil des mystères avec humilité et avec cœur. Dans ce sanctuaire, vous découvrez non seulement les secrets du monde spirituel, mais aussi ce qui réside au plus profond de vous-même. Alors que la cérémonie touche à sa fin, prenez un moment pour vous immerger dans la gratitude. Remerciez le lièvre, cet esprit guide qui vous a accompagné à travers cette exploration nocturne, pour les perspectives et la sagesse qu'il a partagées. Exprimez votre gratitude à la nouvelle lune, symbole de renouveau et de possibilités infinies, qui a éclairé votre chemin de sa lumière douce et purifiante. N'oubliez pas d'offrir votre reconnaissance aux anciens dieux égyptiens. Doucement, commencez à ramener votre conscience au présent. Inspirez profondément, sentant l'air frais de la nuit remplir vos poumons. Et à chaque expiration, sentez-vous plus ancré et centré. Imaginez que vous emportez avec vous la lumière de la lune. Une lumière qui éclaire votre chemin et dissipe les ombres, vous guidant avec clarté et confiance. Sentez également une connexion renforcée avec les mystères de l'univers. Une liaison qui ne vous quittera pas, alors que vous continuez votre voyage dans le monde physique. Une méditation vous a guidé à travers des moments de réflexion, de connexion spirituelle, et de découverte personnelle, enracinée dans la sagesse intemporelle et la spiritualité de l'Égypte ancienne. Les symboles et les messages du lièvre, ainsi que les énergies puissantes de la nouvelle lune, ont tissé ensemble une expérience qui transcende le temps et l'espace, vous offrant des outils et des perspectives pour votre croissance et votre évolution personnelle. Alors que vous revenez pleinement à votre espace et à ce moment, gardez ces cadeaux précieux dans votre cœur. Laissez être des sources d'inspiration, de guérison et de force dans les jours à venir. Ouvrez les yeux quand vous vous sentez prêt. La cérémonie est maintenant terminée. Portez en vous la lumière et les enseignements de cette méditation et laissez-la illuminer votre chemin. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions à nouveau, cette fois-ci sur le voile lumineux de la pleine lune. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.